Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu les achats, les petites choses que j'ai achetées pour préparer les 2 ans de ma fille. Je voulais vous montrer un petit peu les petites choses que j'avais trouvées, si ça peut vous donner des idées pour les anniversaires de vos enfants. Et alors, il y a des choses que j'ai achetées, il y a des choses que j'ai pas achetées, mais je vous montre tout ça tout de suite. Déjà, premièrement, à l'anniversaire l'année dernière, je vous remets ma petite vidéo par ici, vlog des 1 an de ma fille, et c'est une vidéo qui vous a beaucoup 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 plu, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos aussi. Et bien, j'avais gardé en fait de son anniversaire les restes, un petit peu, comment vous dire, j'avais tout mis dans une espèce de boîte comme ça, un peu customisée à ma façon, et à l'intérieur j'avais mis tout, toutes les petites choses voilà, que je pouvais réutiliser. Je vous montre ça rapidement, vraiment. Donc, dans mes choses que j'ai réutilisées, que j'ai gardées et que je vais réutiliser, tout ce qui est serviettes de pour les mains, parce qu'en fait, elles sont toutes belles et toutes bien, et elles n'ont pas bougé. Quelques petites assiettes avec des petits points, là, comme ça, qui viennent de chez Emma, qui me restent. J'ai la nappe, d'ailleurs, assortie à ça, et des petites assiettes roses, comme ça aussi, qui me restaient. Et au niveau déco, il reste pas grand chose, il y a un chemin de table, ah si, il reste les petites banderoles aussi. De toute façon, je vous renvoie vers ma vidéo, où ça fait une luminosité bizarre, je vous renvoie vers ma vidéo, mais il y a, voilà, il y avait des petites banderoles, etc. Une petite bougie comme ça qui venait de chez Zodio pour la décoration de Pâques, mais voilà, moi je m'en étais servi pour ma décoration de table. Des petites banderoles, des petits fanions, des choses comme ça que j'avais achetées. Donc j'ai récupéré, j'ai tout gardé parce que ça peut toujours servir pour ses 2 ans, donc j'ai bien fait. Et j'ai quand même tout de même, malgré tout, comme le thème va changer, c'est un petit peu moins rose, bonbon, etc. Du coup, j'ai acheté d'autres petites choses. Chez Emma toujours, j'ai racheté cette fois-ci des petits gobelets un peu plus rose pastel avec des petits points blancs et des assiettes blanches avec des petits points rose pastel. Donc voilà, toujours pour compléter la table, la déco. J'ai acheté aussi chez Emma à 1 €, c'est ce ballon, sorte de ballon gonflable avec la lettre du prénom de ma fille. Chez Action, j'avais acheté des espèces de, vous savez, les petites guirlandes comme ça, je sais pas si vous les voyez là, des petites guirlandes comme ça que vous pouvez développer et mettre, suspendre un petit peu partout dans la maison. Donc j'avais acheté ça, Mélanie m'avait donné dans une box, une friends box, ces petites choses là que je pense utiliser pour la déco aussi de ma fille. J'avais reçu dans un colis de la part du site Ekios, vous savez, la banderole comme ça qui vient de la marque Toga, pour créer soi-même sa petite banderole pour les anniversaires ou pas, hein. Et du coup, bah voilà, je voulais la réaliser le jour J. Donc vous voyez, il y a quelques petites choses que j'ai achetées et d'autres que j'ai gardées dans ce que j'avais. J'ai acheté toujours sur le site Ekios, de chez Toga aussi, mais vous pouvez les trouver chez Zodio, j'ai vu. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter chez Zodio ce soir les petites bougies, le 2 en fait, vous savez, qui scintillent là. Les espèces de bougies qui font des... Donc je vais acheter le 2. De toute façon, je pense que je vloguerai, si je suis en forme, cette journée préparation d'anniversaire pour ma fille, comme l'année dernière, et vous ferai une vidéo vlog. Donc là, c'est des paille gold et blanche, puisque le thème cette année c'est rose, gold et licorne. Et pour finir, dans une grande enveloppe, grâce à un partenariat, j'ai réussi à avoir toute ma déco pour l'anniversaire et j'en suis super heureuse, donc je voulais vous en parler aussi parce que je trouve que ça vaut le coup, et j'ai d'ailleurs un code promo aussi à vous proposer. Donc je sors tout. Alors, comment vous dire, comment vous expliquer ce petit partenariat qui est vraiment très très sympa. En fait, c'est Julie du site Petite Rognon qui propose de fabriquer tout un ensemble de décorations pour les anniversaires de vos fils, vos filles, ou même pour les baby showers ou autres idées. Et en fait, elle m'a proposé de me créer un kit totalement personnalisé. C'est moi qui ai choisi les couleurs, le thème de l'anniversaire. Voilà, vous pouvez vraiment lui proposer ce que vous voulez et elle l'adapte, elle vous propose, elle vous fait des propositions. Vous lui dites ce qui va pas. En fait, c'est vraiment un échange et j'ai trouvé ça juste hallucinant. Donc je vous renvoie vers son site qui s'appelle petiteognon.fr. De toute façon, et je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez un code promo avec, je crois, c'est Beauty Blog Plus Size ou Karine Miss Boot, je ne sais plus, mais je vous remettrai ici. Vous avez un code promo si vous avez envie de passer une petite commande pour l'anniversaire de vos loulous. Mais voilà, moi j'ai été vraiment conquise. D'ailleurs, je pense la recontacter très prochainement pour la baby shower de Baby Home.
qui arrivera prochainement. Mais du coup, en attendant, voilà, je suis ravie de vous la faire découvrir. Donc Julie m'a fait le thème que je voulais. Je voulais un thème un peu rose pastel, gold, puisque je suis à fond dans le gold, hein. Et je voulais aussi la licorne, mais pas la licorne, comment vous dire, toute colorée, vous savez, arc-en-ciel un petit peu, parce que c'est ce qu'on voit un peu partout. Je voulais une licorne pastel, toute douce, et toujours dans les couleurs or et rose. Alors j'espère que ça rendra bien les couleurs en caméra. Donc voici un peu le style de licorne que je voulais. Voilà, elle est très très douce, c'est elle qui a fait tous les designs. Elle a réalisé donc là une petite banderole qu'il va falloir que je prépare avec les lettres du prénom de ma fille et a écrit 2 ans. J'allais dire il en manque, ils sont là. Mais par exemple, je vais vous montrer les lettres. Vous voyez un peu le style. À chaque fois, c'est après à moi de créer les... la petite banderole, mais elle vous envoie en fait tout le kit. Alors vous pouvez juste le recevoir par mail, en fait tout le kit personnalisé, c'est à vous d'imprimer, soit elle vous les imprime et vous les envoie, c'est à vous de voir avec elle. Mais du coup voilà, je suis super contente, j'ai hâte de réaliser la petite bannière. Vous avez des petites affiches comme celle-ci aussi pour accrocher dans votre décoration, donc moi je vais les plastifier et comme ça je vais les accrocher sur les murs pour décorer la maison. Par exemple, il y a même une petite affiche bienvenue à l'anniversaire de Kayla. Donc voilà, je trouvais ça sympa pour l'accueil des invités le jour J. Et ça, c'est moi qui les ai imprimés, mais c'est elle qui me les a envoyés via internet. Vous avez des sortes de coloriages comme ça pour proposer aux enfants de colorier des licornes le jour J. Donc ça, je trouvais ça trop sympa. Et vous avez même une licorne en version un peu plus grandeur nature. Pareil, je vais la plastifier et après, ça me fera une énorme licorne sur le mur. Donc voilà, c'est une licorne toute douce. Et voilà, je trouvais ça trop trop sympa comme idée. Avec ceci, alors bien sûr ça s'arrêtait pas là hein, dans la découverte, vous aviez aussi toute une série de petites découpes que vous pouvez recevoir pour décorer en fait la table et aussi pour remercier vos invités. Donc là j'avais demandé des sortes de petites tags avec écrit merci pour accrocher à des petites boîtes que je vais offrir à chaque personne invitée. Et du coup, bah voilà, il y a écrit Kayla, 2 ans, et voilà, c'est un petit tag trop sympa qui va rappeler cette journée d'anniversaire. Je sais pas si vous verrez. Donc ça c'est moi qui avais demandé. Vous avez des sortes de petits marque-place, mais c'est pas vraiment des marque-place, c'est plus pour écrire les plats ou les gâteaux que vous allez proposer ou les boissons que vous allez proposer pour écrire ce que c'est. Donc elles sont trop trop jolies, toujours dans le thème gold, rose et licorne. C'est à moi de les plier et vous pouvez faire ressortir la tête de la licorne. Je vais vous montrer un peu. Voilà, comme ceci. Regardez comme c'est trop mignon. Et là je pourrais écrire donc gâteau, chocolat, ou enfin voilà, ce que je veux. Donc je trouve que pour la déco c'est trop 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 joli. Et la même chose dans ces couleurs là. On l'a à plier, à mettre pour les boissons. C'est à moi de voir ce que je vais faire avec. Il y a un certain nombre à demander. Enfin après vous voyez ça avec elle aussi, avec Julie. Mais voilà, j'en ai un certain nombre pour poser un bon paquet de petites choses. Pour mettre sur des grosses bonbonnières, elle fait aussi des petites... Il y a un truc qui est tombé quelque part. Pour faire aussi certaines bonbonnières, elle vous propose aussi de vous envoyer voilà des petits ronds comme ça avec ben voilà, avec toujours le même thème licorne, et vous mettez par exemple bonbons à grignoter, enfin vous mettez un petit mot dessus. Pour à la fin vous envoyez, enfin remercier vos invités d'être venus, etc. Vous avez des petites cartes comme ça avec merci. Et moi je pense que je rajouterai une photo de l'anniversaire dans l'enveloppe. Donc ça je trouve ça trop cool. Pour mettre sur les pailles que j'ai achetées, il y a des petites fanions comme ça. Donc il y en a plusieurs sortes, des gold et des roses. Certains il y a écrit Kayla, sur les autres il y a écrit 2 ans. Et ces petits fanions en fait vous les pliez comme ceci. Et vous les mettez autour d'une paille. Comme ça les invités quand ils boivent, voilà, ils ont le petit prénom personnalisé. Je trouve que voilà, ça personnalise vraiment l'anniversaire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et pour finir... il reste des petits ronds comme ceci pour décorer la table ou pour mettre autour des bouteilles, des boissons, voilà, des petits ronds comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai sûrement un vlog où il y aura plein de photos sur Snapchat et Instagram pour vous montrer vraiment la déco de l'anniversaire de ma fille. Mais j'ai été plus que conquise de ce partenariat avec elle, avec Julie, qui a été vraiment à l'écoute et adorable. Donc comme je vous ai dit, j'ai été totalement convaincue et je repasserai commande. Enfin, je passerai commande pour la baby shower de baby 2.
pour BB2, pardon. Et puis pour finir, elle vous propose même d'envoyer les invitations personnalisées. Donc je vous montre un petit peu le style. J'ai mis une petite photo de ma fille, voilà. C'est son prénom, l'adresse, etc. Une part de gâteau et de jolis moments qu'il a fait ses 2 ans, le nanania, 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 avec l'adresse. Donc ça, je les ai envoyés aux invités et je trouve que c'est trop mignon. Donc voilà, vous avez la totale, les invitations, les cartes de remerciement, les décorations pour la table. Vous avez vraiment la totale à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu ou pas du tout. Après, vous pouvez me dire, mais moi je peux le faire sur mon ordi, etc. Moi, je vous avoue que j'aurais pas eu le courage de faire tout ça. Tout ce qu'elle a fait, sachant que c'est vraiment elle qui fait tous les designs et qui fait les écritures, les polices d'écriture, qui vous imprime tout. Il n'y a rien à dire, la qualité du papier est vraiment très très bien. Donc j'ai plus qu'à plastifier tout ça. En plus dedans, elle vous met même la petite ficelle pour la bannière. Elle m'a rajouté des petits ballons gold et en rose aussi pour aller avec, pour la déco. Je trouve que voilà, c'était hyper hyper complet. Donc encore merci Julie. Je vous invite à utiliser le code promo si ça vous si vous avez envie de passer commande sur le site. Mais vraiment moi j'ai été convaincue. Donc n'hésitez pas à la retrouver sur les réseaux sociaux parce que sur Instagram elle vous montre pas mal de choses aussi. Voilà pour mes petites trouvailles pour l'anniversaire de ma fille et on se retrouve très très prochainement pour le vlog de son anniversaire. J'ai hâte. Allez, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. On se retrouve très très vite. Salut salut.